Aujourd'hui, nous allons faire le poulet aux carottes. Pour un poulet aux carottes, il nous faut un poulet, un bon poulet de grain, 1,5 kg de carottes, une vingtaine d'olives confites dans du citron, d'un citron confit, une cuillère à soupe de farine, une cuillère à soupe de gingembre, du sel, 2 gousses d'ail écrasées, du safran, du persil, une cuillère à soupe de persil pour la fin, une cuillère à soupe d'huile d'olive pour donner du goût, le jus d'un au citron et 2 cuillères à soupe d'huile. Sur du poulet aux carottes, on met le poulet dans une marmite ainsi que le safran, le gingembre, le sel, l'ail et l'huile d'olive, une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et 3 cuillères à soupe. Ajouter 1 demi-litre d'eau. Couvrir avec 1 demi-litre d'eau. Couvrir et laisser cuire quelques temps. Au bout de 10 minutes, on ajoute les abats, gisés et cuits. Pas le foie. Le foie, on l'ajoutera à la fin. On le fera cuire à la fin. L'ébullition commence, on ajoute les carottes. On couvre et on laisse. À partir de l'ébullition de l'eau, il faudra compter 3/4 d'heure de cuisson pour le poulet aux carottes. On a ajouté les foies de volaille en fin de cuisson. Les foies de volaille ne doivent pas cuire plus de 5 minutes. On ajoute donc le citron confit. On enlève la coulpe. On met la pulpe du citron, le citron et les olives, le persil, le jus de citron. Pour finir, on ajoute 1 cuillère à soupe de farine diluée dans 1 demi-verre à thé d'eau sur la sauce pour la lier. Au moment de passer à table, vous disposez le tout dans un joli tagine et vous servez chaud, évidemment. Bon appétit!